Bonjour tout le monde, ici François Latarte pour JDRD30. Encore une vidéoliste. Excusez, je me suis trompé de personnage. Je reprends ça. Bonjour tout le monde, c'est Bruno pour Atomic Fusion! Oup. J'ai pas pris mes pelules la soir. Radburger! Là. Danny, je vous fais une rapide vidéo. Ouais, le mot était pas facile, hein, vidéo. Ce soir, pour faire une petite mise à jour de ce qui se passe, j'en ai fait quand même quelques-unes, j'ai envoyé. J'essaie d'être assez présent. On sent qu'il y a un grand vide après le RPG ED. Je vous avouerai que je m'ennuie de toutes les vidéos qui arrivaient dans le YouTube. Là, j'espère que les gens vont embarquer sur deux choses. Je veux vous lancer sur deux pistes. Premièrement, on a le RPG A Week de justement notre chum Bruno d'Atomic Fusion. Allez, moi, honnêtement, je veux voir des vidéos. Je regarde YouTube, là, je pèse sur abonnement, puis je regarde un peu ce qui sort, puis c'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Fait que je vois pas de stock supplémentaire. Je m'ennuie d'écouter des vidéos, d'entendre du monde parler de jeux de rôle, puis tout ça, avec de la passion, puis tout ça. Oui, je vais écouter du stock en anglais, mais j'ai l'impression que la gang du Québec a une place particulière dans mon cœur là-dessus. Deuxième affaire. Depuis le début que je fais du YouTube, il y a toujours il y a une belle gang, il y a un bel esprit, tout ça. J'ai été accueilli super fort par ma Christophe de Pilule Rouge, Bruno d'Atomic Fusion, Sébastien de Jasage de Rôle, François Letard du DAD30 pour lequel j'ai fait un caméo exceptionnel à l'épicerie avec lui, pour ceux qui m'ont pas reconnu. Les Tyranneuil, là, j'en passe peut-être, mais écoutez, vous êtes super, la gang, j'ai bien du fun avec vous autres, je trouve écœurant. Et là, depuis tout ce temps-là, il y avait une personne qui a toujours, je pense qu'il était assidu de mes vidéos. Je pense qu'il regardait ça, il m'envoyait tout le temps des bons commentaires. Des fois, il me challengeait, il m'envoyait des questions, il m'envoyait un peu de vécu. Puis tu sais, je lisais ses questions, je lisais ses réponses, puis ça avait tout le temps du bon sens, puis je me disais, ah, ce gars-là, il a au moins mon âge, parce qu'il me sortait des affaires qui dataient de loin, puis même des fois, t'sais, du vieux stock, là, tu sais, je commençais à jouer à 9 ans, puis tu sais, il y a des jeux que, c'est Twilight 2000, moi, t'avoue, je le connais de nom, j'ai regardé le livre, mais personne ne m'a jamais fait jouer à ça. Ça vient d'avant, tu sais. Il y a comme des affaires que j'ai pas touchées, puis que ce gars-là m'en parlait. Je sais pas si t'as reconnu, Patbou, je parle de toi. J'ai bien eu du fun à te lire. À chaque fois, honnêtement, je te lisais. Puis à chaque fois, dans ma tête, il y a tout le temps une affaire, une cloche qui sonnait, qui disait, voyons, ce gars-là, c'est pas passer 6 heures à me texter qu'il devrait faire. C'est d'envoyer une belle vidéo, puis faire profiter tout le monde de ses commentaires, de me faire profiter tout le monde de ses affaires, puis tu sais, des beaux feedbacks qu'il m'envoyait, tu sais, moi c'est le même, je le voyais, tu sais, puis je me disais ça tous les fois. Un moment donné, je pense que j'y ai tordu à la perche, là, j'ai dit, ça va prendre des vidéos, il va falloir que tu fasses des vidéos, puis écoute, il a mordu à l'hameçon, peut-être pas la mienne, mais tu sais, je pense qu'il s'est laissé embarquer dans la vibe, là, un peu comme moi, ça m'est arrivé, puis comme les autres. Il était écœurant, là, sérieusement. J'ai écouté son premier vidéo, là. Il trouve sa couleur, tout ça. Il nous a parlé déjà d'un sujet qu'on n'avait jamais entendu parler. Moi, en tout cas, je suis quelque chose de rafraîchissant, je trouve, comme sujet. Tu sais, des vieux. Puis là, il me ramène à des vieux jeux de rôle des années 90, là. Ça aussi, ça me fait du bien, là. Fait que Patbou, allez vous inscrire à ça, Black Ravens, c'est une chaîne québécoise, je pense qu'il vient du coin de Québec, si je ne me trompe pas, Patbou, tu pourras me corriger. Je pense que tu viens du coin de Québec, c'est super hot, là, pour vrai. Je pense qu'il va vraiment nous amener des belles trouvailles, puis tout ça. Bon, mais ça marche, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Oh, mon gars est là, salut.